Bonjour à tous, bienvenue sur En direct des territoires, votre émission. On est ce mois-ci au cœur du Poitou, où nous allons parler des chiens de chasse. On ne l'avait pas fait depuis un certain nombre de mois, et c'était l'occasion pour nous, en compagnie d'Emmanuel Coussy, notamment technicien ici à la Fédération des chasseurs de la Vienne, mais aussi de Jean-Jacques et de Julien, eh bien, de parler avec eux de leurs chiens, qui sont un petit peu eh bien, emblématiques de leur mode de chasse, que ce soit du setter, de l'épagnol ou du gordon, comme on aura l'occasion de le voir. Eh bien, vous comprendrez que le chien, c'est l'atout majeur du chasseur. On n'en parle pas assez, et pour nous, eh bien, dans Chasseurs de France TV, c'était l'occasion rêvée de venir chasser sur ces territoires, vous allez voir, complètement variés, du bocteau au petit bois. On va essayer de trouver, pourquoi pas, quelques bécasses, mais vous aurez compris qu'en ce mois de décembre, quand il fait 18 degrés, ça va pas être facile. Allez, on part à la chasse. C'est bien mon chien, c'est bien. Hein, tu l'as bien arrêté, c'est bien. On est dans différents milieux hein, dans le département. On a des milieux de plaine, grandes, ouvertes, où les gens vont plutôt choisir un pointer ou un setter anglais voilà, qui va battre la plaine à leur place. Hein, et puis éventuellement trouver quelques perdreaux, caille en début de saison aussi. Voilà. Et puis après, on a des milieux plus bocagers. Bon, souvent, nos chasseurs vont utiliser des chiens de quête un peu plus réduite, hein, comme les épagnols ou les braques, dratards. Voilà. Et puis après, on a des milieux aussi très fermés où les gens utilisent maintenant de plus en plus les broussailleurs, cocker, spaniel. Voilà. Et puis après, bien sûr, dans notre département, on chasse aussi le grand gibier au chien courant. Avant d'entreprendre une quelconque partie de chasse, vient d'abord l'étape la plus importante, le choix du chien. Un animal bien souvent plus qu'un compagnon de chasse. Le setter, ben j'ai à peine choisi cette race, je dirais, puisque le premier setter anglais est arrivé à la maison, je n'avais que 4 ans. Et mon père, son premier chien avait été un setter anglais. C'est à la fois c'est son style qui caractérise le setter, des arrêts souvent très fléchis, ce qu'on appelle les remontées d'émanation, la prise d'émanation très tendue et qui va chasser vraiment en félin, qui va se coucher sur les émanations. C'est ces moments-là qui me font vibrer. J'ai choisi l'épagnol breton parce que c'est un chien extrêmement malin, très vif, il quête une petite quête sympa au bois, il est très bon sur la bécasse. J'ai la chance d'avoir un chien qui est bon sur la bécasse et moi je suis principalement un chasseur de bécasse. Et puis j'ai aussi un chien avec qui je perds aucun gibier parce que ça tombe pas forcément toujours nettement. Donc en ce sens c'est pour moi un très bon chien. Des clics ? Oui. Ouais, mais parce que des clics doit être à l'arrêt derrière. Le chien, on l'a vu, c'est effectivement l'auxiliaire indispensable à la réussite d'une chasse, mais il représente également le premier poste de dépense du chasseur. Quand on l'a, c'est au quotidien. Et il faut le nourrir, évidemment, le soigner, mais aussi adapter sa vie, comme en témoignent Emmanuel et Julien. C'est un athlète,
Hein, je considère ça comme un athlète, donc il faut en prendre soin. J'ai trois chiennes. J'ai celle-ci, qui j'ai sa fille et sa petite-fille. C'est vrai que si on cherche des alimentations de qualité, bon, ça, c'est quand même un budget. Hein, donc, et puis après, des petits frais annexes, hein, les caisses pour mettre dans la voiture, des choses comme ça. J'ai presque changé de voiture, même quand le troisième chien est arrivé à la maison. Donc bon, je pense qu'il ne faut pas l'inclure dans le budget chasse, mais voilà, c'est des petits éléments qui déclenchent les choses. Ici à Sérigny, ils sont une douzaine de chasseurs. Certains possèdent un chien seulement, d'autres plusieurs. Il y a les nouveaux qui prennent la relève et il faut les dresser, les éduquer. D'où la nécessité de mélanger les races et les âges lors des différentes sorties. Ça nous permet aussi à nous maîtres de se corriger sur des défauts qu'on peut avoir. Ça permet aussi de corriger son chien. Puis pour moi, la chasse, c'est le partage. Donc avec d'autres races de chiens, que ce soit avec des Gordon ou avec du setter anglais ou avec du pointer, avec mon épaule breton, bah, ce sont des quêtes différentes, ce sont des arrêts différents. Mais c'est à chaque fois fabuleux et des grands moments de bonheur. Allez, au bois, allez au bois. Pour terminer, et pour illustrer cette notion de partage, quoi de mieux que les rencontres Saint-Hubert organisées chaque année depuis plus de 20 ans. Alors les rencontres Saint-Hubert, c'est le parcours de chasse du chasseur et son chien. C'est 20 minutes pendant lesquelles on va montrer que son chien et ce chasseur sont en osmose et vont réaliser une partie de chasse. Voilà. C'est pour le plaisir personnel, il n'y a rien à gagner, on est au-delà de tous ces concours où on voudrait faire de l'argent, c'est pas le cas des rencontres Saint-Hubert. C'est vraiment voilà, montrer qu'on est arrivé à l'excellence, à cette osmose entre ce chien qui recherche ce gibier, ce chasseur qui accompagne ce chien et qui va aller donc, jusqu'au prélèvement du gibier.